Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons découvrir les origines d'une expression de la langue française, et plus particulièrement l'expression « être soupaulet ». Alors, que signifie cette expression? « Être soupaulet » signifie être d'humeur versatile, de caractère changeant et facilement irritable. Ainsi, on dit de quelqu'un qu'il est soupaulet lorsqu'il change rapidement de caractère et qu'il s'emporte pour un rien. Cette expression remonte au 19e siècle, et elle est dérivée de la locution plus explicite « monter comme une soupaulet ». L'étymologie de cette expression est donc très simple, il s'agit d'une analogie assez explicite entre la saute d'humeur et le lait qui saute hors de la casserole lorsqu'il arrive à ébullition. Ou, dit autrement, l'humeur qui monte très vite et la propension que le lait a à monter lors de sa cuisson. L'image est donc assez parlante, et on imagine aisément qu'une personne soupe au lait puisse bouillir intérieurement jusqu'à laisser sa colère déborder, tout comme le lait peut déborder de la casserole lorsqu'il bout, comme vous le voyez sur cette photo, et comme vous avez sûrement fait l'expérience si vous avez tenté de mettre du lait au feu un jour. Et l'association d'idées fonctionne également dans l'autre sens, à savoir que cette humeur versatile se caractérise également par la brièveté des crises de colère, qui retombent aussi vite qu'elles sont montées, tout comme le lait qui se calme instantanément dès que la casserole est retirée du feu. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr. Vous pourrez notamment retrouver les autres cours que j'ai mis en ligne sur le sujet en cliquant sur ce lien avec mon prénom qui va apparaître juste sous la vidéo dès qu'elle sera terminée. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.